Bonjour, je suis Tom Hartman pour CityNetMagazine.com. On est ici avec Marie-Claude, qui est un des représentants pour Heroes of the North. Bienvenue. Bonjour. Alors, dis-nous un peu de... c'est quoi Heroes of the North? Heroes of the North, c'est une série live-action, donc une série avec des vrais acteurs, une série faite pour le web à propos de super-héros canadiens. Donc, ça a un look très américain. Quand on regarde l'apparence des personnages, on a des ensembles en latex. On a ici The Canadian, qui est notre personnage principal. Mais ça a été fait ici, à Montréal, au Québec, avec des scènes en français et en anglais. Quand c'est en français, c'est sous-titré en anglais. Et puis... Donc, on peut viser autant les États-Unis que le Canada. C'est très, très exportable comme produit, mais ça a une saveur très locale. Beaucoup de satire politique, très humoristique. Tous les épisodes sont disponibles gratuitement sur heroesofthenorth.com. On a aussi des comic books que les gens peuvent lire gratuitement en ligne. Les comic books offrent une version de l'histoire encore plus détaillée, encore plus poussée. Donc, c'est un beau projet. On a tout plein de produits dérivés, des figurines, des prints faits par toutes sortes d'artistes locaux également. Donc, il faut aller faire un tour. Allez faire un tour pour voir les épisodes heroesofthenorth.com. Excellent. Alors, merci pour votre temps. Merci beaucoup. Je suis Tom Hartman pour CityNet Magazine. À tantôt.